la cité Meunier et ses jardins. Pour l'instant, oui, ça pousse pas bien, je crois. C'est pas encore. Bah, en même temps, on n'est pas. Celle-ci non, hein, parce que celle-ci c'est une pierre champenoise, c'est pas le vin de champagne. Hélène, bonjour. Bonjour Pierre.
Voilà, ben, je fais donc pour la 8e fois la manifestation Couleur Jardin. Oui. Donc l'objectif étant de présenter des œuvres dans les jardins de certaines maisons de la cité Meunier de Noisiel. D'accord. Donc, qui est une cité, enfin disons, historique. Voilà. Qui est la cité ouvrière de l'ancienne société Meunier, chocolaterie Meunier. Voilà. Et donc là, j'ai présenté des tableaux qui ont été faits plus sur le thème de l'abstraction. Oui. Voilà. Et donc celui-ci a été fait pendant le premier confinement. Voilà, peinture à l'huile avec des rayons or. Et en travaillant sur la couleur et l'énergie, le mouvement. D'accord. Et autres toiles différentes, enfin nouvelles. Oui, il y en a d'autres de l'autre côté. Eh bien, je te suis alors. J'avoue que je m'étais déjà promené, j'avais déjà un peu espionné, mais ça fait rien. Voilà. Les commentaires ne sont pas, disons. Alors, celle-ci est plus ancienne, mais elle est tout à fait dans la même veine. Oui. Un travail sur des dégradés de bleu. Et celle qui est au mur, elle est aussi des confinements, avec un travail en peinture à l'huile, en dégradé de lumière, et avec des passages très très doux, en travaillant avec beaucoup d'essence de térébenthine, comme si c'était un petit peu une aquarelle. D'accord. Voilà. En travaillant des dégradés de passages avec une grande dilution et puis une intensité plus importante. D'accord. Et ce sont des travaux qui sont faits au sol. D'accord. Je positionne ma toile sur une bâche. Oui, oui. Et donc je prépare mes couleurs et je visualise ce que j'ai envie de faire en tant que forme. Et par moment, je laisse sécher, je laisse un certain temps sécher certaines zones. Et puis je peux reprendre le lendemain, ou si j'ai envie que les couleurs fusent les unes dans les autres, je fais tout dans la même foulée. D'accord. Très bien. Donc c'est de l'innovation. Voilà. Alors ça peut être un paysage imaginaire, Ou on peut vraiment le prendre juste par rapport à la couleur et aux harmonies colorées. Et par contre, les autres toiles, je les avais déjà découvertes. Il y en avait, tu avais déjà vu. Puisque je te suis sur les expositions. Il y en a une qui est bleue là-bas, qui a été retravaillée, que personne n'a vue. D'accord, eh bien on va la découvrir. Une toile qui était un peu plus ancienne et que j'ai reprise aussi il y a quelques mois. J'avais envie d'y remettre des nuances de bleu et d'avoir beaucoup plus de contraste. En fait, j'ai apporté des contrastes dans les bleus et violets avec et en même temps une sensation d'eau et en même temps un peu le feu, comme un peu le mélange des deux éléments. D'accord. Comme une grande cascade qui descendrait avec des petits éclats de feu à l'intérieur. Eh bien, merci Hélène. Voilà. Et donc. Un personnage que j'aime beaucoup, un grand musicien de jazz. Donc, ça fait partie des portraits qui avaient été présentés à mon exposition Noisy-Grand. Itamar Dohary, qui est un très grand percussionniste. Très bien. Et la dernière, là, ça, c'est une nouvelle ? Alors, non, elle n'est pas nouvelle, mais je l'aime bien. Voilà. Aussi un abstrait que j'avais travaillé il y a 4 ans, que j'ai eu plaisir à remontrer parce que je ne l'ai pas montré très souvent. Eh bien, très bien, Hélène. Tu m'accompagnes pour visiter un autre petit jardin. Une petite visite. Mais disons que celle-ci est quand même particulière. Une petite visite avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors, donc, vous êtes, vous, la sculptrice. Absolument. Écoutez, je vous avoue, j'ai déjà fait un petit tour, j'ai vu comme ça en espionnant, mais c'est quand même mieux d'avoir quelques commentaires. Absolument. Alors, si vous voulez bien me... Je vais vous disons, commenter tout ce que vous voulez, l'exposition. Voilà, donc on fait un petit tour. Oui. Vous avez des céramiques. Des céramiques, qui sont faites en terre mêlée, trois couleurs différentes. Oui.
assemblée de façon à avoir des marbrures aléatoires et ensuite mise en forme. Oui. On fait faire une première cuisson et puis oui. ensuite un émaillage transparent pour oui. faire cet effet brillant. Et deuxième cuisson. D'accord. Voilà. Et ici, vous avez un assemblage. Un assemblage, d'accord. De bobines. De bobines, oui. Que j'ai réalisé pendant le confinement. Oui. Compte tenu Donc que... vous avez beaucoup cousu pour avoir des bobines vides. J'ai cousu, ma maman a cousu, ma grand-mère a beaucoup cousu. Et donc, les ateliers de taille de pierre et de céramique oui. étant fermés, et oui, donc, il a fallu quand même que je crée quelque chose, et avec les moyens du bord. C'est bien. Avec les moyens voilà. du bord. Voilà, donc ici vous avez un autre assemblage, oui. un autre totem d'assemblage. Ici, ce qui m'a intéressé, c'est la transparence. On ne voit pas oui. bien ces talons, mais c'est la transparence des pièces bleutées. Ah, on a la lumière qui passe à travers quand c'est éclairé. Et les reflets sur les parties métallisées. D'accord. Sinon, un peu plus haut, vous avez la même technique de modelage de terres différentes. Oui. J'avais deux terres différentes. Hein, donc. Réunis de façon aléatoire et ensuite mis en forme et même chose de cuisson hein. Oui. Alors que ici vous avez des techniques tout à fait différentes là et là c'est une technique de terre mêlée pardon de terre craquelée c'est oui. une terre noire oui. que j'ai fait craqueler en mettant en forme une première cuisson ensuite des pigments fixés par un émaillage transparent. Et c'est cuit à quelle température 980 degrés. Oui. Oui. C'est de la faïence. Oui, oui. Oui. Alors là, par contre, c'est une pierre. Donc ça, une pierre sculpture. Sculpture, oui. Sculpture, taille de la pierre, c'est ce qu'on appelle une taille directe, oui. parce que j'ai pas fait de maquette, pas de modèle. Oui. Taille directe. C'est une pierre crayeuse qui vient de Champagne. Oui. Qui a... des particularités des pierres, j'ai découvert des incrustations de métal ici et des petits grains de sable là. D'accord. Donc j'ai pas pu travailler aussi lisse que oui, je voulais, oui. mais bon, c'est. C'est comme ça, c'est la oui, nature oui, oui. en fait. Hein. Absolument. Et celle-ci ? Voilà, celle-ci c'est une céramique aussi, mais une terre blanche non émaillée. D'accord. Et une autre composition. Et une autre composition, oui. Je ne supporte pas de faire deux fois la même chose. D'accord. Donc, il faut que là, vous avez changé de couleur. Voilà, j'ai changé de couleur. D'accord. Disons que je ne lui ai pas donné de couleur. J'ai Exactement. Conservé la couleur de la terre. Très bien. Par Et là-bas. Puis, j'ai vu, oui, au bas. Là. Bonjour, messieurs-dames. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc ici, vous avez à nouveau des terres mêlées, trois couleurs différentes, hein, le bleu, le vert et le noir, oui. émaillé transparent. Alors que celle-ci, c'était c'est la technique des craquelures, avec des pigments de couleurs différentes. Oui, c'est très, très joli. Enfin, c'est, oui, dans la mesure où il c'est a vif. Voilà, les couleurs sont très vives et les craquelures sont plus fines que oui. dans ce qu'on a vu précédemment. Ça a presque, disons, une âme. Enfin, Oui. Oui, oui. Et là, c'est un escargot Alors, vous trouvez les noms que vous voulez. Voilà, moi, d'accord. c'est ce que je dis quand on travaille de l'abstrait. Oui, oui. Moi, en tant qu'artiste, oui, chacun, j'y mets ce que j'y mets, mais oui, oui. souvent inconsciemment. Oui, et oui. puis, ceux qui oui, viennent après, chacun voir, interprète. Chacun, voilà, chacun d'accord. interprète à sa façon. Eh bien, voilà. merci Mylène. Ben, merci pour Au moins comme ça, je saurai, ce que vous faites. Je saurai, pardon. C'est très gentil. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ah ouais. Cherche des poules. Hélène. Juste, j'ai. Vous avez trois de poules. Merci, voilà. gentil, merci. Voilà. Donc, ça fait un petit peu de publicité voilà. aussi. Il y en a partout, Giovanni. Donc, voilà. je te laisse. D'accord, je suis introduit maintenant, voilà. c'est bien. Merci beaucoup, Hélène. Ben, je t'en peut-être prie. À tout à l'heure. Oui,
Je te re-salue. Bonne promenade. Merci. Bonjour monsieur, vous êtes donc l'artiste. C'est ça. De ce jardin. L'artiste céramiste, alors on est deux, il y a la peintre, Laurence, qui est pas loin, là-bas derrière. Que j'ai peut-être vu là. Qui est ici. Qui est le pantalon marron. Ah d'accord, voilà. Laurence, et puis donc, peintre, et ses jolies couleurs. Oui. Et moi je suis de céramiste sur, sur à la fois ce qui est un peu la céramique utilitaire là-bas au fond. Oui. Les masques, qui sont mon cœur de travail quand même depuis... depuis maintenant les années 2000. Oui. Les oiseaux qui sont ici et les poules de jardin. Les oiseaux. Qu'effectivement les petites poules de jardin. Petit détail, là, très, très beau. Et ces poules de jardin qui sont spécifiquement pour le jardin de Patrick et Fabienne là et pour Couleur Jardin. Des poules qui ne pondent pas. Voilà, elles ne pondent pas, elles ou alors des œufs carrés parce que j'en ai jamais trouvé. Et par contre, on est sur des poules un peu de luxe, des poules de jardin qui sortent du côté traditionnel de la poule blanche fabriquée en masse. Ce sont des modèles uniques. Alors, qui sont là-bas ? On en a ici. Ah, il y en a partout. On en a ici, là. On en a aussi sur le côté. Oui, oui. On a là-bas Kimo, qui est équipé de son petit kimono orange. Et puis on a Migou ici, la bleue. Oui. Voilà, elles ont toutes des noms et elles se fondent ici dans le paysage et on est très content de se promener dans les jardins de Noisiel, sachant que ma première exposition date de 2008 dans un jardin. Eh bien, c'est très bien. Donc du coup on renoue 14 ans plus tard. Oui, c'est bien. C'est l'idéal. On est dans la thématique. C'est pas une cabane, c'est pas l'élevage intensif. Rien, c'est de la poule qu'on voit ici. Au grain. Effectivement, bien nourrie. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie. Ben, y a pas de quoi. Et puis je vais continuer à découvrir Merci tranquillement. À vous. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Très beau jardin. Alors, voilà.
Ici, je rencontre donc Laurence. Laurence, comment Bonjour, Laurence Minoret-Chevalier. Très bien. Donc, c'est vous l'artiste peintre. Voilà, donc je fais de la peinture, c'est de la peinture acrylique, avec du collage également. Et là, j'ai le bonheur aujourd'hui d'exposer dans cet événement Couleur Jardin à Noisiel. Donc, on expose chez des particuliers voilà, qui nous ouvrent leur jardin. Oui. Et c'est bien agréable de pouvoir exposer l'extérieur, dans d'autres conditions, et d'ouvrir la porte du jardin. Oui, c'est vrai, enfin, disons que en plus, disons, des œuvres, on a encore le plaisir du jardin. Exactement. Et de la rencontre avec les personnes. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Ça a, disons, un caractère humaniste. Exactement. Voilà. Oui, c'est une autre façon d'exposer. Voilà. C'est bien agréable. Et donc, les couleurs sont très variées. Là, je vois, enfin, il y a du rouge, il y a du bleu. Enfin, hein. Oui, c'est une technique qui mêle donc collage et puis peinture, qui est plus ou moins gravée, plus ou moins diluée. Et en fait... l'idée, c'est de voyager, de travailler sur la ville aussi, la ville en construction. Oui. La ville qui se construit au fur et à mesure, qui se déconstruit aussi. Et l'idée, c'est de ne pas représenter un lieu typique, mais de s'inspirer de lieux différents. D'accord. Voilà, pour être vraiment dans la création d'un nouveau lieu. Oui. Ben, c'est très bien. Hein. Disons que c'est assez particulier parce que, on n'a pas l'habitude de voir des tableaux comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Voilà. C'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Bah, c'est très personnel. Absolument. C'est ça qui est bien en art, c'est que chacun interprète à sa façon et qu'il y a autant d'artistes que de façons de créer. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai fait un petit tour comme ça avant. Très bien. En espionnant, mais avec des commentaires, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Bonne visite. Merci. Je me sauve. Voilà, alors ici j'arrive chez Zad, et d'ailleurs je le reconnais, il est là, bonjour Zad. Bonjour. Donc c'est vous qui êtes, disons, l'artiste et en même temps, disons, jardinier. Voilà, vous êtes tout. Puis je vois, là, vous êtes très bien entouré, donc vous avez des dames là qui vous conseillent sur le style, et ainsi de suite. Voilà, d'accord. Bon, mais écoutez... Merci, c'est gentil d'être passé. Hein? Alors, si vous voulez, on fait un petit tour. Continue. Oui. Je vois mon frère la semaine prochaine. Il est à côté je vous laisse avec ma famille. Oui. Voilà, alors, exactement. Donc, alors, je vois, ce sont vos œuvres, là. Oui. Donc, eh bien, écoutez, quelques petits mots, quoi. Enfin, je travaille le métal, le verre, le marbre. Le marbre, donc vous êtes vraiment multi-matériaux, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est un travail d'expressionniste. Par intermittence. Et puis c'est bien parce que vous voyez, enfin, je ne peux pas toutes les faire, mais l'occasion fait le larron. Et comme j'ai rencontré des personnes de votre famille qui m'ont indiqué de venir de leur part, eh bien vous voyez, j'ai tenu parole. Je suis venu. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous.
D'accord. Je le mettrai au fond, sous là. C'est pas anonyme. Puis vous serez dessus. Ah, ça c'est fantastique. Bah, oui, c'est un souvenir. Ça... Ah bah c'est toute la différence hein, avec exactement. Moi là. Ici, je suis dans l'antre de Zach, enfin plutôt son atelier. Voilà, son atelier, oui. Voilà. Donc, il y a de tout, toutes sortes peinture. D'œuvres. Voilà, peinture, c'est le mélangé. Pochoir, pochoir. Pardon. Voilà, c'est venez, si vous voulez voir la vidéo sur YouTube après, en fait, il n'y a pas d'obligation, voilà. Mais et c'est à partager bien sûr. Papito Productions, vous verrez, il y en a partout.